Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur Call of Duty World War 2. Un tuto qui consiste à améliorer le Tesla en corpo de sang. Voilà. Donc je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 qui m'aide à faire toutes mes vidéos. Donc je mettrai son lien en description, n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne. Et je tiens à faire une grosse dédicace à Drop Dead Boy aussi, car c'est grâce à lui que j'ai découvert, voilà, c'est lui qui m'a appris à améliorer les armes Tesla. Donc grosse dédicace à eux, je mettrai leur chaîne en description. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous ne les connaissez pas encore. Alors, première chose qu'il vous faudra, c'est l'arme Tesla. Donc si vous ne savez pas comment avoir l'arme Tesla, je vous mettrai un lien dans la description pour vous présenter un tuto pour avoir l'arme Tesla. Voilà, tout simplement. Alors quand vous avez votre arme Tesla, vous allez devoir tirer sur le lampadaire ici. Voilà. Ensuite, vous prenez une arme et vous tirez sur le lampadaire. Et vous allez devoir tirer sur toutes les lampes. Et quand vous allez tirer sur les lampes, vous allez entendre un bruit, genre un bruit qui valide que vous l'avez bien touché, quoi. Si vous tirez et que ça ne fait pas de bruit, ça veut dire que vous avez raté. Donc il y a une question de rapidité, mais ce n'est pas si difficile que ça. C'est totalement faisable. Ne vous pressez pas, soyez précis et soyez concentré. Donc vous pouvez voir que là, les lampes, quand elles sont éteintes, il y a une petite lumière verte qui s'apparaît. Eh ben, ça veut dire que vous devez tirer dessus, tout simplement. Donc là, j'y vais tranquillement, vous avez vu. Il faudra juste un minimum de shoot, un minimum de rapidité, mais sinon, c'est facile. La première fois, je me suis fail 2-3 fois. Puis quand j'ai réussi, ben après, j'ai réussi tout le temps du premier coup. Donc là, normalement, je pense pas que je vais me fail, hein, on ne sait jamais. C'est jamais que je loupe une lumière ou deux. Et vous pouvez bien sûr le faire à plusieurs. Si vous n'y arrivez vraiment pas en solo, vous demandez à votre pote qui vous suive si jamais vous loupez une lampe ou quoi. Voilà quoi. Après, c'est assez simple. Donc là, j'ai tiré la dernière lampe. C'était celle-là. Je l'ai tirée. Et là, on a l'objectif, enfin un petit générateur comme ça qui vient de tomber. Et il faudra mettre le générateur ici à côté de la porte à droite. Vous le placez ici. Et il va falloir faire... Donc A4, vous pouvez le faire à la manche 10, mais je vous conseille de le faire directement à la manche 15. Parce qu'à la manche 15, si vous êtes à 4 joueurs, vous faites tourner la manche spéciale. Donc la manche 10, la manche 15, la manche 20, toutes les 5 manches, c'est une manche spéciale de zombies. C'est des zombies qui courent sans bras là et qui a plein de mouches autour d'eux. Et bien à la manche 15, vous le faites une fois, enfin vous activez le piège ici ou là-bas. Vous tuez tous les zombies avec le piège. Et à la manche 15, si vous êtes à 4, ça fonctionnera. Nous, on est à 2, donc ça ne fonctionnera pas. Il va falloir le faire 2 fois. Donc là, on va passer la manche, tranquille. Au calme. Et là, vous allez voir que à la manche 15, il va y avoir des zombies spéciales. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner ensemble. On va tourner. Et puis à un moment, quand on voit que tout est bien paqué, eh ben, on va activer le piège. Alors, n'hésitez surtout pas à vous mettre au milieu du piège. Il est pas très. Oh voilà, là je vais y arriver. Il ne vous one shot pas. C'est assez facile cette étape. Mais voilà. Par contre, ils vont tourner en rond si vous n'allez pas autour des pics. De toute façon, vous allez voir. Donc là, on tourne ensemble. Au calme. Tranquille. On pack bien tous les zombies. Alors là, on tourne tellement vite que les zombies devant nous, on les suit en fait. C'est nous qui les pourchassons. MDR. Donc voilà, là je pense qu'on a bien assez packé. On va activer le piège. Voilà, j'ai activé le piège. Et regardez, vous mettez un peu au milieu, comme ça, parce que regardez, ils veulent pas, hein, ils veulent pas venir. Vous avez vu qu'il y a eu un petit rayon, un petit éclair, ça veut dire que l'étape a bien réussi. Mais nous, on va devoir le faire plusieurs fois parce que on n'a pas assez de zombies en fait. Il n'y a pas assez de zombies de manche spéciale, et en plus, ils veulent même pas se prendre le piège. Regardez ça, c'est des rebelles. Hein, bref, donc là, vous voyez, je peux toujours pas le ramasser. Donc on va tuer le dernier zombie et on va. Et on se donne rendez-vous à la manche 20. Donc voilà, on est manche 20. Et là, c'est la manche spéciale. Donc on va retourner, on va faire encore un tour. On va packer les zombies. Et puis là, normalement, ça devrait être bon. C'est sûr, mais c'est même pas normal. C'est sûr à 100%, vous allez voir. Donc à l'heure où je vous parle, Monsieur Flapix a réussi le secret. Donc grosse dédicace à lui. Je mettrai sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous ne le connaissez pas. Alors, apparemment, il a fait toute la quête principale. Et puis il a réussi à faire... améliorer les Tesla. Donc apparemment il y a eu un patch. Maintenant on peut faire toute la quête principale sans améliorer les Tesla et améliorer les Tesla ensuite. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que ce que je vous avais dit, bah, que ça avait été patché. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que faut mettre le truc que vous avez
petit truc là, je le mettais là. Bon, là ça marche pas, vous voyez, j'appuie sur cadrer, ça veut pas. Donc c'est de l'autre côté. Je mettais à gauche, truc de sang, et voilà. Alors maintenant il faut réappuyer dessus. Donc on va mettre celui-là à droite. Enfin, on va le laisser là. Je vais mettre là. Et vous réappuyez dessus pour déclencher le protecteur. Maintenant il va falloir défendre. Vous voyez, il y a la vie et tout. Et là vous défendez. À chaque fois que vous avez fini de défendre un générateur, il va falloir passer la manche pour défendre un autre générateur. Par exemple, si je veux faire l'autre amélioration de Tesla, bah, il va falloir à chaque fois que je passe la manche. Donc voilà, là j'ai fini de le défendre. Donc maintenant, la machine est en train de me fabriquer une pièce. En train de me, vous voyez, là, ça me fabrique la pièce. Donc, je dois attendre que la pièce soit fabriquée. Vous n'êtes pas obligé de tuer les zombies, hein, vous pouvez les garder. Bah, attention, non, parce qu'il faut quand même passer la manche, donc au final, tuez-les. Et puis dès que la pièce est là, vous la ramassez. Voilà, c'est bon, elle est là. Vous ramassez le noyau. Donc je vais mettre un invisible parce que sinon je vais mourir. Et là, vous allez là où il y a l'arme Tesla. Et vous allez mettre votre truc là où ça va s'ouvrir, tout simplement. Là, voilà, là ça s'est ouvert ici. Vous mettez la soif de sang ici, voilà. La Tesla améliorée, donc soif de sang, est sortie. Vous appuyez sur carré, vous la récupérez. Et voilà, maintenant vous avez l'arme. La Tesla améliorée, donc corbeau de sang. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les photos. Allez, ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.